women, we are free, we're bringing an end to the patriarchy. We are women, hear our pain, we are women, hear our shout. We are women, have no doubt, we are women, we are free. We are shut the fuck up! Thank you. Salut à tous, c'est Baïsanka, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'information sur GTA 5 Online, puisqu'un modeur, FunMW2, donc pas mal de monde commence à le connaître, a trouvé en fait de nouvelles informations sur le DLC des braquages qui devrait plus tarder à arriver. En fait sur Twitter, il a tweeté qu'il avait trouvé 5 nouveaux dialogues pour 5 caractères. Donc là je vais vous mettre le tweet à l'écran, regardez. 5 nouveaux dialogues pour 5 caractères, Karen, Maxime prisonnier, donc rappelez-vous, dans le trailer des braquages, on pouvait voir que les joueurs du mode online attaquaient un bus de prisonniers pour aller récupérer quelqu'un. Nous on pensait en fait que ça serait par exemple pendant un braquage, quand un des joueurs se faisait arrêter, il fallait aller le récupérer. En fait non, là on peut apprendre que ça sera sûrement peut-être Maxime le prisonnier qu'il faudra aller récupérer. Et du coup on aura un dialogue avec ce prisonnier. Ensuite ici on peut voir Melvin, le directeur de la banque qui a été trouvé donc dans le gestionnaire des braquages, et l'agent 14. Qui pour moi, donc dans le trailer des braquages, on pouvait voir que dans la salle, la pièce des braquages, où on voyait le tableau, il y avait un policier qui était là pour nous donner des indices, des informations. Et pour moi, ça serait lui, l'agent 14, avec qui on aurait aussi pas mal de dialogues, puisqu'il nous donne plein d'informations sur les braquages, il nous aide à les planifier. Donc il faudrait bien du dialogue pour ces scènes-là. Donc vous, qu'est-ce que vous pensez donc de cette découverte qu'a fait FunMW2 ? Pour moi ça paraît logique, c'est vrai que si on fait des braquages, il va y avoir à mon avis pas mal de cinématiques, donc du coup pas mal de nouveaux dialogues. Donc franchement, encore de la nouveauté, ça fait pas mal de temps qu'on attend les braquages. On voit quand même que Rockstar nous met pas mal de choses dans ce DLC, des nouveaux dialogues, des nouvelles armes, des nouveaux véhicules comme on a pu voir dans le trailer, des bons gros braquages, avec le mode Cops and Cops aussi qui va arriver à côté. Franchement ça va être un gros DLC. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, en tout cas j'espère vraiment que cette information vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas, et à vous abonner si c'est pas déjà fait. En commentaire, n'hésitez pas à nous mettre ce que vous pensez de tout ça, de ces 5 nouveaux dialogues. Je vais en profiter pour vous inviter à venir nous rejoindre sur notre groupe Facebook, si jamais vous avez des questions, des astuces, si vous cherchez des gens pour faire des glitches ou des activités what the fuck, n'hésitez pas, je vous ai mis le lien dans la description. Et voilà, moi je vais vous laisser sur ces images, je vous dis à tous bon game, et ciao tout le monde.